Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Inter-Entreprises avec Françoise Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça y est. Après la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane se retrouvent en état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 mars 2022. Cette décision gouvernementale s'accompagne de son cortège de restrictions qui ont des conséquences immédiates sur l'activité économique. Dans la foulée, le ministre de l'Économie et de la Relance a annoncé une série de mesures à destination des entreprises. Elles sont de quatre ordres. Nous en détaillons deux aujourd'hui et les deux dernières demain. Les deux premières mesures sont l'activité partielle et les aides aux coûts fixes. En ce qui concerne l'activité partielle, elle est prolongée et prise en charge à 100% pour les entreprises contraintes d'interrompre leur activité, telles que les discothèques, et ce, pendant toute la durée de leur fermeture. De même, les entreprises touchées par des mesures de restrictions sanitaires et qui enregistrent une baisse d'au moins 65% de leur chiffre d'affaires pourront également bénéficier de la prise en charge à 100% de l'activité partielle. Quant au dispositif d'aide aux charges fixes, il est élargi à l'ensemble des entreprises des secteurs S1 et S1 bis. Pour rappel, ce sont les hôtels, les bars, les restaurants, les agences de voyage et plus largement, toutes les activités liées au tourisme en plus des secteurs de l'événementiel, des traiteurs, des loisirs, des salles de sport, etc. ainsi que celles fermées administrativement. En outre, pour obtenir cette prise en charge, la perte de chiffre d'affaires devra être de 50% au lieu de 65% jusqu'alors et une procédure accélérée est mise en place pour les sommes inférieures à 50 000 euros. Les demandes doivent être déposées par voie numérique. Pour plus de précision, vous pouvez faire appel au conseiller de sortie de crise de la DRFIP, Ruben Showing pour la Guyane, Marilyn Mansco pour la Martinique et Cédric Anani pour la Guadeloupe. À demain, prenez soin de vous. Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Inter-Entreprises avec Françoise Florimont.